C'est un peu le serpent de mer, hein. C'est vrai. C'est un peu le serpent de mer, mais cette fois-ci, c'est la bonne, assurent les élus régionaux lors de cette conférence de presse en situation au bord des rails. Les trains voyageurs vont revenir en Ardèche. On se concentre sur la partie Valence-Leteil, avec trois gares qui sont fléchées, donc Le Pouzin, Crua et Leteil, avec donc un projet qui va permettre à ce territoire d'accéder en 50 minutes à Valence au TGV. Un parcours, Leteil-Valence-TGV, un budget 15 millions d'euros, une cadence, 7 passages jour et un calendrier mis en service dans 5 ans au plus tard après études et travaux. Et qu'il y ait des trains qui circulent, je ne vous cache pas que je suis très perplexe, mais dans les affaires, on est souvent perplexe et puis des fois ça se passe bien. Les élus locaux aussi tentent doute et enthousiasme. Oui, j'y crois parce qu'il y a un intérêt au-delà de la rive droite du Rhône, mais pour notre territoire ardéchois et surtout pour la jeunesse. C'est un message d'espoir pour notre jeunesse ardéchoise, notamment celle qui sort de notre territoire pour partir travailler en dehors de l'Ardèche, faire des études notamment. La SNCF a réparti jusqu'ici le fret rive droite côté Ardèche et les voyageurs rive gauche côté Drôme. Il y a déjà eu des études ces dernières années pour mélanger le trafic. Il va y en avoir d'autres. Il faut qu'on reprenne un petit peu les études parce que les trafics ont évolué. On sait qu'on peut faire circuler des trains de voyageurs avec les trains de fret. Néanmoins, l'étude d'exploitation, elle est indispensable et ça va être le point de départ. Pour les élus communistes de la région qui défendent ardemment le retour du train en Ardèche, c'est sur la SNCF justement qu'il va falloir maintenant faire pression. Il faut que la volonté de la SNCF soit totale d'accélérer le processus. Moi, je vais défendre l'idée qu'il faut aller plus vite que 5 ans, parce que 5 ans, c'est long dans une période où on a besoin d'un report modal, où les Ardéchois n'ont que la voiture aujourd'hui pour se déplacer. Prémonition ou clin d'œil involontaire, un train voyageur passe, dévié ce jour suite à un accident plus au nord sur la rive gauche.